intéressant. Nous allons commencer par aborder la dimension sociologique du Kinduki. Nous connaissons déjà que le Kinduki ou la sorcellerie est un phénomène multidimensionnel. Une des dimensions du Kinduki, c'est sa dimension sociologique. Quiconque traite avec des patients envoûtés, qu'elles soient en France ou ici, parce que en France, j'ai découvert qu'il y a maintenant des désenvoûteurs, eh bien, on découvre la dynamique sociologique de la sorcellerie. Même dans le bocage, en France, comme que ce soit Kinshasa, Douala, à Yaoundé ou encore Mali, n'importe quel pays, comme au Maroc. La sorcellerie est d'abord un fait social. Le premier phénomène sociologique révélé par bien des études est que les accusations de sorcellerie sont dirigées contre les membres d'un même clan familial. Chez le Congo, qui sont maternels, ils auront tendance d'accuser l'oncle maternel. Tandis que chez ceux qui ont le système patriarcal, eh bien, ils auront tendance d'accuser le pater, hein, l'oncle paternel. Alors, les accusations sont donc dirigées contre les membres du même clan. Ça, c'est dans l'ancien temps. Maintenant, de plus en plus, ça déborde. Alors, dans l'ancien temps, on disait en Kikongo, le sorcier ne mange pas dans la maison d'autrui. Mais de plus en plus, à Kinshasa et ailleurs, on commence à constater des sorciers qui mangent dans la maison d'autrui. Les habits qui vont chercher des victimes ailleurs. Et on constate aussi qu'il y a des alliances entre sorciers. Les Ndoki, donc, aujourd'hui, peuvent manger en dehors de leur clan. Parmi 605 envoûtés interviewés par Dr. Massamba, pendant son enseignement et ses recherches dans le Bas-Congo et à Kinshasa, entre 66 et 70, 598 accusés des membres de leur clan. 92 patients soignés sur 100 désignaient les Ndoki dans leur clan, tandis que 6 étaient des étrangers au clan et non, 2 non identifiés. Donc, vous voyez, il y a une table à la page 37 qui indique bien ce qu'il dit là, et vous n'avez qu'à lire dans ce livre que vous aurez d'ailleurs, qui sera à votre disposition. Ces chiffres-là que je viens de vous donner. Donc, en prenant la relation clanique comme un facteur social, l'étude de Massamba révèle que 85,38% des Ndoki accusés par le patient étaient les membres de leur clan maternel, là, chez le Congo. Et vous pouvez l'étudier aussi dans un groupe ethnique, c'est très important. Tandis que chez le Bokin, de France, dans le bocage de la Normandie en France, ils vont accuser le voisin fermier, les villages de fermiers. Alors, les Congo craignent les femmes Ndoki plus que les hommes et disent que Ndoki en Kento. Si une femme Ndoki te lie, il lui est impossible de te relâcher. Nadel a trouvé que dans la culture Nupé, les accusés de Kindoki sont toujours des femmes. Et vous savez que durant la période du Moyen-Âge, pendant qu'on faisait la chasse aux sorcières en Europe, la plupart des sorcières qu'on découvrait comme Jeanne d'Arc étaient des femmes. Ceci est donc basé sur l'antagonisme de sexe. Il dit que la position économique des femmes, nupes, dont beaucoup sont des commerçantes itinérantes, est généralement bien meilleure que celle de leurs maris. Ainsi, les maris sont souvent fortement endettés envers leurs femmes, et celles-ci assure la plupart des responsabilités financières qui devaient normalement appartenir aux hommes en tant que père et chef de famille, comme de trouver la dot de fils ou de payer l'éducation des enfants.
ce renversement de rôle institutionnel est manifestement ressenti par les hommes qui se trouvent cependant sans ressources pour redresser la situation. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour se venger? Ils accusent les femmes de sorcières. Femmes et épouses constituent un statut social et sont en lutte autour du phénomène de la sorcellerie chez les Nupe, N-U-P-E, une tribu. La troisième dynamique que nous trouvons, donc à part la dynamique clanique, vous voyez, et la dynamique sociale clanique, la troisième dynamique que nous trouvons, c'est la dynamique socio-économique. Vous avez donc les membres du clan, les membres de la famille, les membres du couple, et vous avez ici les gens avec lesquels on a une relation socio-économique. On observe que l'agent extérieur accusé d'être un doki est habituellement une personne âgée, les anciens du clan maternel qui exercent un certain pouvoir social et économique. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui a réussi dans sa vie, qui au fond est le plus riche de la famille. Il a réussi dans sa vie, il a réussi dans ses études, il a mis ses enfants à l'école, les a envoyés en Europe, et ses enfants sont devenus qui? Médecins, ingénieurs, etc. Et tous ses frères qui n'ont pas vraiment réussi l'accusent de sorcier. Mais quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont chez lui. Ses nièces, ses petits-enfants, issus des autres frères, l'accusent de sorcier. Alors, il y a un problème socio-économique qui se pose ici. Je ne dis pas que la personne n'est pas sorcière, mais je suspecte que la tension socio-économique est à la base de cette problématique. D'où la nécessité de le prendre en considération. Pas seulement regarder la dimension clanique, mais aussi la dimension socio-économique. Et nous avons vu souvent dans certaines communautés, ceux qui réussissent, on dit toujours, ah, il a vendu sa mère, il a vendu son frère, c'est pourquoi il est devenu riche. On ne peut pas devenir riche sans avoir vendu son père ou sa mère. Alors, c'est très important de voir la dimension familiale de la sorcellerie, la dimension socio-économique de la sorcellerie et la dimension du couple dans la sorcellerie. Une autre dimension sociale que j'aimerais que vous puissiez regarder, c'est la dimension professionnelle. Et Dr. Massama ne détaille pas ça, mais j'ai vécu ça, même à l'intérieur des églises en Afrique, quand quelqu'un progresser professionnellement, on disait toujours, c'est un sorcier, ce gars-là. Et ce profil disait, en s'amusant, sorcier pourquoi? Parce qu'il performe, parce qu'il excelle. Vous voyez, la dimension professionnelle. Nous allons maintenant regarder, sixièmement, après avoir regardé la dimension sociologique, regardons maintenant la dimension psychologique du kindoki. Première dimension psychologique, la culpabilité. N'oubliez pas, quand on vous accuse d'un doki, vous êtes culpabilisé. La culpabilité est l'un des problèmes majeurs que rencontre quiconque s'occupe de résoudre tout problème relationnel, qu'elle soit dans un couple. Quand l'un accuse l'autre, on dit, mais qui est coupable? Et on va chercher le coupable pour qu'il demande pardon, mais parfois pour, n'est-ce pas, le taxer. La maladie physique et d'autres conditions, comme l'échec dans la vie, peuvent aussi rendre les gens obsédés à chercher qui est la cause de cette maladie, qui est la cause de cette souffrance. Et quand on trouve cette cause, cette personne, et bien cette personne, qu'elle soit ou pas, va se sentir coupable. La croyance kindoki s'enracine dans une compréhension psychorigieuse de la culpabilité, de la responsabilité. C'est le responsable de ma misère, de ma maladie, le responsable de ma stérilité, il va me le payer. Ou le responsable de cette maladie qui me cause la mort,
il va me le payer. L'observation de toute société traditionnelle révèle un manque apparent de sentiment de culpabilité, mais en fait, ce sentiment est là. Cette situation est très, très cachée et subtile. Même quand on dit c'est des esprits, on va chercher qui est en train justement d'introduire ces esprits dans la vie des gens qui souffrent. La structure sociologique renforce le fondement religieux de Kindoki. La culpabilité des membres de la parenté partagée par les clans tout entier, et spécialement par les anciens. C'est cela qui crée la personnalité collective. Voyez-vous, quand on trouve un Ndoki, on demande, mais le chef de clan, où est-ce qu'il était quand l'Ndoki était en train d'attaquer son sujet? Parce qu'il est supposé le protéger. Donc, peut-être le chef de clan est complice. Encore la culpabilisation de cette personne. Alors, le Kindoki devient justement un phénomène éthique. Vous voyez une dimension éthique dans ce truc, parce que nous devenons les responsables les uns des autres. Nous devons nous protéger les uns les autres contre ceux qui nous attaquent. Le chef de famille qui ne nous protège pas doit être un complice. C'est très important. C'est quelle dimension psychologique? Alors, la culpabilité de l'homme se trouve dans ses relations avec ses parents, sa société, sa culture, sa religion, etc., des règles qu'il faut respecter comme ne volez pas, ne trompez pas, ne commettez pas d'adultère, etc., sont des règles. Et quand tu transgresses une des règles, tu te sens coupable. Et on peut te poursuivre, tu seras condamné. Vous voyez, le Ndoki, c'est un coupable qu'il faut poursuivre et condamner. C'est un concept très important que le concept de la culpabilité. La culpabilité objective descend jusqu'aux racines de l'existence de l'homme. Son péché prend place à l'intérieur de la relation vitale qu'il tient avec Dieu. Quand l'homme pêche, on le condamne d'avoir transgressé l'interdit que Dieu lui a donné de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il va payer pour avoir mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il en est de même pour nous, dans la société, il ne faut pas toucher à la vie d'un frère, d'un enfant. Et quand un enfant meurt, on recherche qui a touché à cette vie. Et dès qu'on découvre que c'est un tel, eh bien, il va payer ce qu'il a fait. C'est la responsabilité. Culpabilité va ensemble avec la responsabilité. Et c'est pourquoi un psychologue pasteur qui s'appelle Mackenzie, cité par Massamba, considère que la rédemption et la culpabilité doivent être liées. C'est-à-dire, pour la guérison, dans le processus de guérison, vous ne pouvez pas seulement mettre l'accent sur la culpabilité. Vous devez aussi mettre l'accent sur la rédemption, parce que la personne qui fait le mal, si elle parvient à s'exposer, à accepter son mal, cette personne peut être délivrée de ce mal. Délivre-nous du malin. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Délivre-nous du malin. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous reviendrons là-dessus dans la thérapie pastorale de la réconciliation en thérapie multidimensionnelle. Les conseils pastoraux ne doivent pas ignorer la culpabilité fonctionnelle, qui résulte d'une sorte de suggestion sociale de la peur, des tabous et de la perte de l'amour des autres. Mais il est aussi appelé à mettre l'homme en face de sa relation avec Dieu et sa relation donc verticale et de sa relation avec les autres hommes. La culpabilité n'est pas seulement un sentiment fonctionnel, relationnel, mais c'est aussi un sentiment, je dirais, ontologique. C'est dans notre être. Le fait de ne pas être ce que nous sommes nous rend coupables. Le fait de ne pas être ce que nous sommes. La confession peut servir de purification. Carl Gustav Jung, psychanalyste, a dit,
Cela semble être un péché pour le regard naturel de cacher nos insuffisances tout autant que de vivre dans notre fort intérieur. Il semble qu'il y ait dans l'humanité une conscience qui punit sévèrement et celui qui, en certains cas ou certains temps, quoi qu'il en coûte à son orgueil, ne cesse pas de se défendre, mais qui au lieu de cela ne se reconnaît pas faillible et humain. C'est là que nous trouvons la clé de la signification de la confession vraie, non stéréotypée, signification bien connue des initiations et cultes de l'ancien monde, comme nous le révèle le dicton des mystères grecs, abandonne ce que tu as et tu recevras. Le courage de la confession libère. L'homme n'a pas seulement besoin de confesser sa culpabilité vraie, mais aussi d'accepter le pardon de Dieu et de l'autre, d'être soi-même. Une personne névrosée souffre de distorsions intérieures dans un but de défense. Les gens, ils mentent, ils conviennent à défendre qu'ils mentent. Je me rappelle encore quand je travaillais à l'église du Christ au Congo, au Zaïre, en ce moment-là, j'avais reçu la visite de quelqu'un qui se disait qu'il était un chercheur en sociologie de l'église. Et là, nous, on venait de retourner en France, puis il demandait si on avait des renseignements sur l'église française et nos relations avec moi. Moi, naïf que j'étais, et mal en recherche, je lui ai tout donné tous les renseignements. Puis il est sauté sur le numéro de fax, le téléphone, il a fabriqué une lettre, il est allé trouver l'évêque, il a dit on l'a envoyé par le président de l'église de la France pour des recherches ici, et là il se retrouve sans argent, si l'évêque pourrait lui prêter un peu d'argent. Et on appelle au bureau pour le voir, et qui je vois, c'est l'homme qui venait d'être, il y a une heure dans mon bureau, c'est un voleur. Il habite Kinshasa, mais bien habillé comme un vrai mikiliste, quelqu'un de l'Europe. Et là, il n'a pas voulu demander pardon, mais il dit, tu es dans mon bureau, là, je l'enferme alors avec moi, là. Et il finit par avouer. Avouer parce qu'il avait peur. Il est parti pour devant. Ça veut dire, il faut avouer, comme on disait quand nous étions petits, est à moitié pardonné. Et dans la sorcellerie, le sorcier n'avouera jamais qu'il est entré dans la sorcellerie des gens. Ou la personne qui empoisonne, surtout c'est l'empoisonnement, nous allons voir ça dans un autre coup. L'empoisonnement, c'est peut-être 80% de la sorcellerie. La thérapeutique est quelquefois appelée à aider la personne à assumer sa responsabilité, à confesser. Et c'est très important, il n'y a pas de transformation sans confession honnête et authentique. Et voilà donc une dimension importante que nous venons de voir, la dimension psychologique. Et là, nous avons regardé le côté culpabilité. Mais un deuxième aspect de cette dimension psychologique, c'est le rêve et ses composantes. Et nous allons clôturer ce cours sur ce sujet-là. La peur de l'envoûtement est une réaction émotionnelle très très profonde, très intense et notable chez beaucoup de patients africains envoûtés. La peur d'être envoûté, d'être tué par un doki est visible et apparent. Et des esprits destructeurs de l'univers s'abattent sur cette personne pour la démolir. Et quand la personne parle, elle parle souvent de sa peur. Beaucoup de patients ressentent des sueurs froides la nuit, des yeux froids, des battements de cœur, les cheveux qui se dressent sur la tête quand ils voient la personne qu'ils supposent les envoûter, une respiration accélérée, des sensations d'étouffement, ressenti, n'est-ce pas, d'ordinaire durant le rêve. On a peur d'être étouffé par la main d'une doki pendant qu'on dort. On voit quelqu'un qui vient, ou quelqu'un qui voit qu'on veut le prendre pour l'amener dans un avion,
ou l'écraser par un camion, ou qui voit un oiseau nocturne qui vient, n'est-ce pas, vers lui, ou un chat qui est en train de miauler dans la nuit. La peur des esprits est d'agents menaçants du monde extérieur, la peur de la punition et de la mort sont si vivaces, ces peurs-là, si conscientes et si étendues, qu'il est difficile de distinguer la peur de l'anxiété et de différencier le malaise organique causé par un mauvais fonctionnement physique des malaises qui sont surtout psychologiques. Et ici, je pense à la sueur de Jésus qui était comme transformée en grumeaux de sang, tellement qu'il était envahi par l'angoisse, l'anxiété de la mort qu'il attendait à la croix et surtout des souffrances qu'il avait avant d'aller à la croix. Vous savez pas comment on l'a démoli, massacré, saccagé humainement, déshumanisé, jusqu'à le réduire en lambeaux avant de le crucifier. Eh bien, il en est de même pour quelqu'un qui a peur d'être tué par les sorciers. Il ne dort pas, il est agité. Et quand cette personne est malade, éprouvée par de malheurs personnels, eh bien, il se produit en lui des complexes de peur, de culpabilité, même se condamne. Pourquoi je mange avec cette personne? Pourquoi je me suis lié avec cette personne? Comment se condamne lui-même? Il y a une culpabilité intérieure. Et pourquoi je ne me suis pas assez protégé? Pourquoi ai-je mangé à la maison de cette femme, etc. Et cette douleur partout, il est anxieux, la personne est anxieuse, les problèmes qui concernent la peur, hein, la peur qui est à la fois rationnelle et irrationnelle, hein, l'anxiété irrationnelle, consiste à identifier quelles sont les causes qui sont à la base de cette peur qui amène l'individu à l'anxiété, qui peut même le tuer. Les agents producteurs d'anxiété tels que le porte le patient envoûté peuvent être simplement externes ou des manifestations de conflits internes, pensées, images, fantasmes, pulsions somatiques. La recherche psychiatrique au Nigeria, au temps de Massamba, a montré que l'anxiété psychonévrotique présente un taux élevé chez le patient interrogé et traité, 64% à l'hôpital Daro et 54% à l'hôpital Bristol Clinic. Field, un thérapeute, a observé un grand degré de peur chez les patients africains. Elle s'appelle la psychose de peur. Et celle qui est accompagnée de culpabilité, d'agressivité, de ressentiment, d'hostilité, souvent cette peur est liée justement à l'envoûtement. Les sentiments de peur créent des images névrotiques et le patient n'est plus capable de noter, d'observer, d'interpréter exactement les choses et de dormir. Parce que quand elle ferme les yeux, elle voit des images sordides. La peur ne donne pas seulement naissance à des sentiments désagréables par anticipation, mais aussi elle rend quelquefois hostile la situation existentielle présente. La personne qui a peur, n'est-ce pas, n'est plus en sécurité, ne se sent plus en sécurité. Et en tant que réaction émotionnelle, la peur se distingue de l'anxiété. La peur est une réaction à quelque chose du monde réel. Hein? La peur, souvent, doit être réelle. Tandis que l'anxiété est une réaction qui semble injustifiée, hors propos, hors proportion, avec les dangers actuels, tels qu'ils se présentent apparemment, mais en général, dans l'anxiété, la réponse émotionnelle elle-même peut être consciente, la situation dont elle naît peut être complètement inconsciente et irréelle. Le rêve devient un des canaux le plus intense par où le rêveur réagit habituellement contre le monde hostile. Il se voit en rêve en train de lutter contre un animal maléfique ou les sorciers lui-même, un homme dont il ne voit pas le visage. Il se réveille, le cœur bat très vite. Le rêve lui permet de faire face à son anxiété, à ses peurs,
n'est-ce pas, en affrontant la réalité de manière imaginaire. La thérapeutique a montré combien de nombreux rêveurs s'expriment plus ouvertement dans leur état de rêve. Alors, quand la personne arrive chez le pasteur psychothérapeute, au lieu de lui raconter l'histoire, il va lui raconter ses rêves. Mais je vois cette personne chaque fois. Et donc, dans le rêve, la personne est plus libre de parler de cette personne que dans le discours sur la réalité. Erickson affirme que notre identité négative nous fait la chasse la nuit, hein, à travers le rêve. Dans le rêve aussi, la personne peut voir là où il a manqué, là où il a échoué, puis lutte pour réussir. Un esprit endormi devient le lieu des rencontres, des messages, des désirs, des souvenirs, des pressentiments. Alors se produit des avertissements, des visions, des hallucinations. Maintenant ici, j'aimerais que nous puissions distinguer le rêve du songe. Le rêve n'est pas à confondre au songe. Le rêve est produit psychiquement. C'est notre psychologie qui le produit. Et souvent, les rêves remontent de nos discours et de nos expériences la veille, de ce que nous vivons. Le songe peut vraiment ne rien avoir avec votre expérience et être utilisé par l'Esprit de Dieu pour vous révéler des choses. Comme le songe de Nebuchadnezzar, le songe qu'avait eu Daniel, vous voyez, et le songe, c'est lié aux visions. Mais la vision, tandis qu'on a le songe quand on est endormi, comme les rêves, le vision, on les a souvent, on a des visions, j'ai une vision, parfois en étant éveillé. Voyez-vous, hein? Quand je suis endormi, j'ai une vision, mais cette vision me vient avec l'explication souvent, hein? Avec l'explication, tandis que le songe peut ne pas venir avec l'explication. Vous voyez, parce que la vision, c'est voir comme un film la réalité que Dieu veut nous révéler. Vous voyez, c'est... Et comme la vision qu'avait eu Pierre dans Actes 10, alors qu'il était en train d'attendre à manger dans la maison de Simon le corailleur. Cette vision lui parlait d'une réalité que Dieu allait produire, allait accomplir, à travers les gens que Corneille venait d'envoyer chez Pierre, qui n'avait pas encore vu. Et cette vision thérapeutique, d'ailleurs, l'a préparé à sortir de son concon, si vous voulez, de son judaïsme aliénant pour aller communiquer l'évangile chez Corneille. Et il n'est pas à confondre aux rêves. Les rêves viennent souvent de nous, des problèmes que nous sommes en train de vivre, des manques que nous avons dans notre vie, et nous produisons cela pendant le sommeil, pour continuer notre sommeil, parce que le rêve a un effet thérapeutique aussi, n'est-ce pas? Et pendant le rêve, nous pouvons rêver nos ennemis, que nous voyons chaque jour, que nous considérons comme nos ennemis, et en train de lutter avec nous, de nous combattre. On peut aussi avoir des songes dans ce sens, mais il faut faire la différence entre les rêves qui sont du domaine psychologique et physiologique, chimique même, et les songes et les visions qui sont du domaine, hein, donc avoir un songe comme une vision, c'est du domaine spirituel. Ah, c'est tout un livre que je dois écrire là-dessus. Alors, prenons, quand tu es en colère, une autre dimension psychologique, le côté du rêve. Et nous allons essayer de voir aussi avec Massamba comment on peut avoir certaines explications de rêves. La colère. Le rêve est aussi un canal que le rêveur utilise pour mettre en œuvre sa colère envers ceux qu'il hait ou qu'il aime,
tu n'aimes pas qu'une personne. Tu causes ce même sort sorcier, puis dans le rêve, tu le vois en train de t'affronter, puis un couteau, tu le démolis. C'est un rêve. Et ça peut être un son, je ne sais pas. Tout dépend de la source de cette information, de cette vision, de cette songe-là. Et aussi, tout dépend de la dimension qui est touchée par ça. Est-ce que c'est la dimension de l'esprit? Parce que n'oubliez pas, nous sommes corps, âme et esprit. Et les songes et les visions spirituelles opèrent au niveau de l'esprit, tandis que le rêve opère au niveau de notre psychisme. La structure de la communauté africaine et son éthique sociale ne tolèrent pas une expression directe de la colère contre les membres de la famille, surtout contre le vieux. C'est pourquoi cette colère a tendance de s'exprimer à travers le rêve. Et c'est très important, vous allez lire cela à la page 47 du livre de Dr. Massamba. Maintenant, dans les rêves, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le fantasme et des images. Les rêves est un sentiment qui exprime un mécanisme, dit Dr. Massamba. C'est les sentiments, ces sentiments, les sentiments sont une traduction des pressions physiques que le corps a communiquées aux cellules nerveuses du cerveau, les neurones. Les sentiments sont une traduction d'impressions physiques que notre corps a communiquées aux cellules nerveuses du cerveau, les neurones. Et ces impressions sont perçues, senties et communiquées aux cellules du cerveau. Comme l'organisme humain est en contact avec l'environnement, il se produit une formation de perception qui crée des images et des émotions. Prenons que je n'aime pas une personne et je vois la personne et mon cœur commence à battre. Je vois la personne avec mes yeux, mais j'ai l'image d'une personne mauvaise. Et cette image va frapper mon cerveau et mon cerveau touche justement mon système sanguin et la vitesse du système sanguin double ou triple et ce sont des palpitations. Dans une réponse pathologique, l'imagination se déforme. Elle perd son pouvoir créateur. Elle devient un monde de confusion mentale. C'est en ce moment-là qu'on fantasme. Vous voyez? Déjà, l'imagination se déforme pour avoir des fantasmes, des images imaginaires, si vous voulez. Comme il y a des images réelles, puis il y a des images confuses, imaginaires. Quand par exemple, tu commences à rêver que tu tues les gens. Vous voyez? Tu fantasmes. Il y avait un ingénieur allemand qui fantasmait qu'il était en train de manger son collègue ingénieur. Puis il a fini par l'inviter, et ça s'est passé réellement, l'inviter dans sa maison, et ils ont partagé ses fantasmes, et l'autre a accepté qu'on le mange. Il a commencé à le couper morceau par morceau jusqu'à le finir. Et on l'a retrouvé quelques jours après dans le frigo de cette personne, dans le congélateur. C'est une histoire vraie. Je vous la cherche peut-être, je vous l'enverrai. Voilà comment cette personne-là est partie d'un rêve qui a devenu un fantasme. Et ce fantasme l'a conduit à commettre un acte abominable, sorcellerie, diabolique. Alors nous allons continuer donc ce beau chapitre des dimensions psychologiques des Kindoki. Et nous savons que le vrai Ndoki, c'est quelqu'un qui vit dans le fantasme. Nous allons voir cela. Et un des rôles du pasteur thérapeute qui suit les Ndoki, c'est justement de démonter les fantasmes de ces Ndoki et de leurs victimes pour le remplacer par la révélation de la vérité. Tu connaîtrais la vérité. Et la vérité.